Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. L'Internet, les réseaux sociaux sont en ébullition à cause d'un événement, d'un homme qui a décidé de se déchaîner sur le parti présidentiel et sur le président de la République à Kinshasa. Monsieur Jean-Marc Kabound fait le trend du jamais vu en RDC. Il est partout, dans tous les réseaux sociaux, on en parle. Il a parlé, il avait promis 5-10 jours avant qu'il va dévoiler finalement. Il a dit ce qu'il devrait dire et il s'est déchaîné et ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est tout le monde qui en parle. Mais ici à Contact Pro Live, ce n'est pas notre problème. Nous allons au fond du problème. Nous voulons apporter des solutions. La différence avec les autres, c'est que les autres commentent l'actualité. Nous cherchons les solutions dans tout ce que les hommes sont en train de faire. Contact Pro Live cherche, commente la réalisation ou bien l'exécution ou bien le respect de la Constitution dans l'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi encore une fois de plus ? Nous allons parler de la mégestion qui nous a fait arriver là où nous sommes aujourd'hui. L'origine de tout ce qui nous concerne aujourd'hui. Pourquoi sommes-nous arrivés là? Est-ce que le peuple mérite ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui? Quel est le chemin qui peut nous faire basculer finalement dans le changement où le peuple congolais va se reconnaître, où le peuple congolais va se retrouver? Quel est le changement que le peuple congolais est en train d'attendre? Est-ce que c'est dans le guerre-guerre politique? Est-ce que c'est dans la reconstruction fondamentale de notre pays? C'est là la discussion, c'est là le problème fondamental dont Contact Pro Live s'attelle et cherche à ramener vous tous ceux qui nous suivez à réfléchir sur comment est-ce que nous pouvons finalement remettre le pays sur le rail du développement et mettre des mécanismes qui fera à ce que la corruption, la gabegie financière et tous les Congolais se retrouveront dans ce système-là. Nous allons parler aujourd'hui du fondement et de ce que nous vivons et ce qui nous a fait arriver là où nous sommes aujourd'hui, où il y a gabegie financière, où il y a vol, où il y a corruption, où nous n'avons même pas fait attention à notre sécurité. Nous en parlons aujourd'hui et nous proposons finalement la solution qui est appropriée, que nous pensons que c'est cette solution-là. Vous l'avez lu dans le titre, qui va faire en sorte que si nous appliquons cette solution-là, cette solution pourra vraiment faire reconnaître à tous les Congolais les droits et nous remettre finalement, reconnaître dans la concert des nations et à reconnaître, à nous faire avancer sur le plan du développement de notre pays. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Nord Kivu, des combats corps à corps entre l'armée et les rebelles ADF sur la route Beni Kasindi. Et puis à Kinshasa, mise en place d'un syndicat de receveurs et contrôleurs de taxis et taxibus. RDC appel d'offres de 16 blocs pétroliers. Célestin Nguebalemba adresse une question écrite à Didier Boudimbou. On va sur actualité.cd. RDC Guadayav annonce la dissolution de Moitié Jet. Le ACR reprend le rapatriement volontaire des réfugiés d'Angola. Kinshasa, retour sur la palmarès de 9e édition du FIKIN. On va sur Congo profond, Université du Congo, une pétition pour faire partir le prof Abbé Akenda. Kasumbalesa, Serge Konde s'engage à appuyer la construction d'un stade et la réhabilitation de terrains délabrés. Exeta 2022, urgent, le chef de centre permettait en deuxième jour des passations. On va sur 7/7. Kinshasa, la police interdit l'utilisation de la cour des états-majors comme parking des véhicules. Et puis, plus de 1000 miliciens déposent les armes à Kalemie.
François Béa, la défense redoute la condamnation programmée de tous les prévenus avocats. On va terminer par Radio Okapi, Nord Kivu, des enfants congolais en détention depuis 3 jours au Rwanda. Maniema, le chef de la justice, rappelle aux policiers leur mission régalienne. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro, au revoir. La forme unitariste que nous avons aujourd'hui de notre État, nous l'avons depuis 1960 dans la constitution que nous avions adoptée depuis 1960. Les partis politiques ont été suspendus par les 32 ans, pendant les 32 ans de Mobutu, pour venir finalement réapparaître encore lorsque Mobutu quittait le pouvoir. Donc nos partis politiques ont une certaine façon de gérer, disons, ces ensembles-là ont une certaine façon de se gérer. Et c'est cette façon-là qui se reflète maintenant dans nos institutions de la République. Je veux dire quoi? C'est ce que je disais au début, que vraiment les gens, les membres ou bien les gens de l'UDPS puissent m'en excuser, parce que nous allons nous servir de cet exemple-là pour vous faire voir où est le mal. Comment est-ce que le mal est très profond et il n'y a pas, c'est difficile vraiment. Avec la même façon, si nous continuons, nous ne pourrons pas nous en sortir. Au fait, c'est quoi? C'est la gestion même de nos partis politiques. Prenons l'exemple de l'UDPS. L'UDPS a été fondée par 13 parlementaires, vraiment des gens qui étaient démocrates, mais elle s'est effritrée jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous ne restons qu'avec un seul homme qui était comme considéré comme le leader maximo, qui était Félix Tshisekedi, Étienne Tshisekedi. Et aujourd'hui, nous pouvons dire aussi que c'est Félix Tshisekedi qui est à la tête de l'UDPS. Il est difficile à l'UDPS de se démocratiser. Il y a toujours ce système-là dictatorial qui s'est installé dans l'UDPS. C'est-à-dire que le parti ne sait pas s'organiser à la base et trouver les dirigeants à la base. Cette histoire-là commence à partir même du leader maximo de l'UDPS qui avait dit aux parlementaires de Bouquet, vous devez vous prendre en charge. C'était quoi? C'était à cause justement de cette caporalisation de pouvoir de certains membres de l'UDPS. Lui-même est resté le seul parmi les 13 parlementaires à diriger l'UDPS. Finalement, il y a eu dislocation, l'UDPS Kibasa, l'UDPS tout ça. Pourquoi? Parce que nous voulons toujours avoir cet esprit-là dictatorial à s'imposer, à faire reconnaître toutes les institutions ou ce que nous faisons à nous-mêmes. Nous n'avons pas cet esprit de délégation, de se dire que cette histoire appartient à la communauté. Aujourd'hui, l'UDPS n'appartient pas à Tshisekedi. L'UDPS doit être considéré comme un patrimoine national. L'UDPS doit être un esprit, et nous devons maintenant savoir comment est-ce que nous devons gérer cet esprit-là. Je vous donne les couacs. Au niveau même national de l'UDPS, ils ont difficile à trouver un président de la République, un président de selon leur structure. La base, ce n'est pas la base qui dirige l'UDPS. La base, ce n'est qu'un truc qui n'a pas d'âme, quoi que ce soit. L'UDPS, c'est un esprit comme ça qui n'est pas organisé. Et c'est ce désordre-là qui vient du fait qu'on associe UDPS à Félix Tshisekedi, à la famille Tshisekedi. Et c'est ainsi qu'ils ont difficile à se dire que qui d'autre pourra être président de cette UDPS. On a difficile à se détacher de cette dictature-là qui se reflète dans nos institutions. Lorsque, par exemple, il y a un colonel qui est nommé dans les opérations, on fait de ce colonel-là une vedette. Et c'est cet esprit-là pour lequel nous devons nous dérober. Les institutions doivent être des institutions qui restent. Les hommes passeront. Et maintenant, UDPS a difficile à se détacher de Tshisekedi, à immortaliser Tshisekedi et réorganiser le parti. Pourquoi? Parce que le parti s'organise au niveau du sommet. Et tous les partis politiques qui naissent,
C'est toujours au niveau du sommet. Au début, l'IDPS a été fondée par 13 parlementaires. Aujourd'hui, tous les autres 12 ont été mis dans les oubliettes. Il n'y a que Étienne Tshisekedi à qui on reconnaît l'UDPS. Vous allez voir, Ensemble pour les changements, c'est Katumbi. Bientôt là, donc, j'ai appris hier que Muindo Zangi a son parti politique. Et ce sont des personnalités qui se disent comme des présidents fondateurs et que nous avons difficile à nous dérober, à se dire que nous allons organiser les choses telles que voici comment nous allons respecter notre constitution. C'est la base qui dirige, c'est la base qui nomme des présidents, ou bien nous envoyons les éléments que nous pensons, que la base pense que celui-ci. Parce que c'est la base qui peut reconnaître les qualités de leurs dirigeants. Mais ce n'est pas la base. Si vous n'êtes pas connu par le président fondateur, vous ne pouvez pas émerger dans le parti politique. Ainsi aussi dans l'État. C'est cet esprit-là qui s'est transmis dans notre État, l'État congolais, où vous ne pouvez pas émerger si vous n'êtes pas connu par le ministre. Et tout le travail est fait à Kinshasa. Le pays a été réduit à Kinshasa. Voilà l'âme de notre malheur, nous, Congolais. Voilà là où nous devons corriger. Aujourd'hui, dans l'UDPS Afrique du Sud, aujourd'hui, ils ont difficile de se trouver un leader. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une certaine stabilité à la tête de l'UDPS. Les nominations doivent venir de Kinshasa. INC, Ensemble pour la République, c'est tout à fait la même chose. Si vous ne connaissez pas Kamere, il est difficile à ce qu'on puisse vous nommer, ou bien représentant de l'UNC ici en Afrique du Sud. C'est impossible. Vous devez être connu par le chef du parti. Et c'est ça qui tue nos partis politiques. C'est ça qui tue notre État congolais. L'État congolais est tué par cette histoire-là de personnifier les gens, les entités, ou bien même l'administration maintenant. Quand on nomme quelqu'un comme un ministre, et tout le ministère est identifié à cet homme-là. Et cet homme-là devient président fondateur, il devient le tout-puissant. Le général Kasongo, il est le tout-puissant de la police à Kinshasa. Vous ne pouvez pas parler de la police sans parler du général Kasongo. Et tout doit être, c'est lui qui doit tout faire. Ainsi, notre président de la République, il doit tout faire, il doit nommer il doit tout faire. C'est ça justement. Et c'est ça le problème que nous nous sommes dit. C'est là où nous devrions nous attaquer. Si nous voulons un changement dans notre pays, c'est par là où nous devrions commencer. Le changement, c'est changer cette mentalité-là, de croire que les institutions sont identifiées par un homme. Et comment ça doit se faire? C'est ainsi que Contact Pro Life, ici nous proposons quoi? Ici nous disons, nous devons rétrocéder le pouvoir à la base, de façon que, même dans nos partis politiques, avant que si vous êtes fondateur, bien sûr vous devez avoir une certaine... notoriété ou notabilité, donc on va vous respecter en tant que fondateur, mais il faudrait que le pouvoir soit exercé. Qu'est-ce que vous avez? Quelle est la philosophie que vous impulsez? Et qui gère cette philosophie? Comment est-ce que nous allons gérer la masse dans nos partis politiques pour que tout un chacun puisse se dire qu'en appartenant à ce parti politique, il y a une certaine procédure par laquelle je dois passer pour que je puisse être aussi dirigeant. Est-ce que je peux être reconnu par mon travail, par mon engagement, ou bien parce que je dois faire la cour au président, ou bien je dois être un moukala du président fondateur pour que je sois nommé représentant de l'UDPS ici à Kinshasa? Vous allez trouver qu'à l'UDPS, même dans toutes les autres partis politiques, je ne dis pas tout simplement que c'est à l'UDPS, même dans l'ensemble, même dans l'UNC, même partout, vous devez être connu au niveau du directoire, c'est-à-dire le président fondateur doit te connaître. Et ça, c'est le langage, vous le trouverez dans le membre qui vont se dire que non, yona ni aye biyo na Kinshasa. Donc on ne tient plus compte de la base. Et cet esprit s'est révélé maintenant au niveau de nos institutions. Paul
posa la magistrat, posa la, po ba nomé yo, il faut ye ba nakana mokonzi. Le cursus ne compte plus. Babilo ko ya koloba yo, yo, ozabo e, ozabo, ezali sou soute. On ne compte plus sur cette, ces histoires-là. C'est par là que nous entrons en nous disant. Bandeko, soki to lingi mboka oyo, il faut to changer Babilo ko e belé. Recommençons le tout. Pour que, en fait, topé sa impulsion moussous. Oyebi ke Babilo ko oyo, ça fait tellement que les gens sont devenus trop. Égoïste. Ce qui n'a pas été adhéré à la partie politique, wana, je vois d'abord mes propres intérêts. Nazo kanisa, est-ce que parce que c'est la politique, c'est ce qui paye. Hein? Dans les 50, disons 30 dernières années, il n'y a pas aucun autre job au Congo qui paye mieux comme la politique. La politique, au côté déjà, au côté de la partie politique, au côté au communisme, directement dans moins de 2 ans comme ko tonga bandako comme ko rouler carrosse comme à part l'armée bien sûr l'armée aussi tango za batindio na est dès que batindio na est vi na yo bongi parce qu'à ce moment-là vous appartenez maintenant à la caste à la au cercle de viveurs de mangeurs de tout ce qui dirige qui ont accès. Qui ont accès à toutes ces richesses. Vous allez me dire, vous allez voir, Kabound par exemple, il n'y a pas 3 ans, il n'y a pas 4 ans, il était millionnaire. Il est devenu millionnaire lorsqu'ils ont accédé au pouvoir, donc il y a 4 ans. A comme il peut qu'on soit là, dans le carré, mini, a comme il peut qu'on soit là, dans le million, tout ça. Parce que, d'abord, c'est un politicien et puis donc ça lui a donné tous ses accès. C'est ainsi que nous. Il faut tout dénoncer, il faut tout changer. C'est ça qu'il faut changer en République démocratique du Congo. Et là, comme sous souté, mais tout changer en Gondengenini. Comment allons-nous changer? Quelle est la solution que nous apportons sur table? La solution, c'est que nous ne sommes pas très loin. Nous disons qu'il faut tout simplement rétrocéder le pouvoir. Mais tu es belé, tu as une solution sans que tu expliques. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de m'appeler de Kinshasa en me disant projet on a 145 territoires yolobaka ezala kandenge nini. Est-ce que ça différent un projet aux 145 territoires obaza ko implémenter? Je réponds toujours que dès le départ en 2019, j'avais demandé au président de la République please Fatito Bandela zéro. Bon tapé angoka na YouTube boko mona vidéo wana on a conseillé qui mon conseil na lobby. Pardon, Fatito Bandela zéro. Place tozo kende, toza ko kende na mur. Il faut s'atteler. Comment est-ce que tu peux changer mentalité? Comment est-ce que nous pouvons changer notre pays à une nouvelle république?
Tango Fachi abandi ba consultation, nous avions rappelé en mettant sur table le projet de 145 territoires. Toloba kaboye, projet 145 territoires, ezate ko kende ko tonga ba ponte, ezako tonga ba bâtiment teza. Il faut reconstruire la mémoire collective du peuple congolais de façon à travailler ensemble. Wana nde place, wana nde changement ekoki koya. C'est par là qu'il fallait changer. Il faut promulguer, par exemple, un 4e République où nous allons vraiment renverser toutes les choses, où nous allons rétrocéder le pouvoir au peuple afin que le peuple puisse se désigner des nouveaux animateurs. Et que ça, le mandengue nini. Le schéma que nous avions mis en place et que tous les Angolais, ezalaki kobenga les états de lieu de chaque territoire. Pourquoi les territoires? Bandeko, nous avons 145 territoires. Mboka na biso eza déjà restructuré. Nous avons à peu près une affaire à 1000 et quelques de secteurs et tout ça, c'est bien connu. Réutilisons ces personnes là dans chaque territoire à toute place na. Ainsi que nous sommes dit déjà en 2019, nous disions préparons la 4e République. Certains des confrères ont relayé ça vers 2021-2022 parce que nous en avions tellement parlé que nous disions que si nous ne rétrocédons pas le pouvoir au peuple congolais et au réorganiser le peuple afin que le peuple rentre au travail, toko kokate, toko bandaka ko bandela zibilo konyo soto à zéro. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, le président de la République avec tout l'IDPS, il se retrouve que non, bakomi kosala, makambu oyo, nani peperde à salaka pour garder le pouvoir na 2006, na 2021, na, disons na 2011. Dans tous ces ans, bomona kandenge peperde et créa kaba mosaïque à ba parti politique. Ça commence à se faire. Pourquoi? Parce que il est impossible aujourd'hui qu'un parti politique puisse avoir la majorité. Pourquoi? Parce que des ordres dans la carte à ma parti politique. Yebisangana, IDPS na ndenge zao désorganisé ndengwana. Et kolonga ba élection ndengenini. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on y ait un bon à l'État, qu'on puisse en avoir un bon créer un parti politique et à l'okuta, l'okuta. Comment fait le PPRD? Comment fait le PPRD? Ça, il y a un parti politique à l'okuta. Tant que tu as eu ça, l'élection, tu as eu un bon à supporter Félix Tshisekedi. Or, vous n'aurez changé absolument rien parce que vous avez eu un bon. C'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Et ça, le coûte toujours répété, Babiloko Oyo, PPRD, si c'est ça la cas. Il faut que nous puissions nous éloigner de ces solutions-là afin que tout le monde cannabis. Tant que tous les dirigeants Oyo Bazaya Mayel était, Oyo Bazaya Boanya pour nous diriger, Toko Bandaka ko tourner à rond. C'est ainsi que nous nous sommes dit. Solution na biso a na contact pro life eza nini. Eza ko rétrocéder pouvoir n'absence nini. Proclamons d'abord déjà la 4e République. Mais toko commandenge nini wana avec une nouvelle constitution, avec une nouvelle configuration. Yangonde na bande ko yebisa Félix Tshisekedi a proclamé ango avant. Il aura évité toutes ces histoires ici, même précipitation à kokende na ba élection. Parce que nous devons préparer cette histoire-là, j'avais dit. Ce qui t'ont préparé en Gomalamu, ça peut nous prendre une année, to kozala na constitution mususu ya sika. Et que c'est à partir de là, et kozala impossible que non, ba minere na biso et banda kozala brade na nenge o ezali. Ça, c'est un autre sujet que je vous réserve. Pour na ebisabino que mboka na biso ba piya kangote. Nos minéraux ne sont pas pillés, c'est nous-mêmes qui sommes en train de. Misomokoto miyibaka. Nous ne parvenons pas à gérer nos minéraux, ça c'est un autre sujet. Alors nous nous sommes dit, il fallait que le président de la République a proclamé 4e République. Yakoloba, tozo kota na 4e République boyesikote. Nous devons organiser les élections. Nous devons avoir une nouvelle constitution. Pozala tozala na Congo ya sika. Nous devons avoir un nouveau Congo. Congo, on a ouyo tokopesa makoki mingi na batia bwanya. Les gens qui savent, les gens qui sont qualifiés. Toti kananu makamba ba parti politique à côté. Réorganisons-nous. Réorganisons l'État congolais dans lequel maintenant nous tous nous serons que non. Parti politique, voici les mesures. Par exemple, le pour créer parti politique.
na ukiko zala ngai na famii na ngai na kepa ya na IDPS na binga na zana parti politiki na ngai ba pesi ngai mbongo na registre parti politiki wana tangwa ba election ata na zui eloko moko ata na zui 500 person j'aurai une voix. J'aurais une voix qui est compliquée quand on a tout ébélé, et puis peut-être que nazana boigne à tout. Et ça, c'est quand on a compliqué le calcul. Comme ça se faisait, on a peu perdu. On a dit qu'il y a un regroupement ABB, ABC, ABABA. Les gens voyaient flou. Babilo, quoi, n'a pas de temps. Ce sont ces histoires-là que je suis en train de dire qu'il faut maintenant éviter. Tozonga na raison. Tozonga na raison à Kotongambo Kanabiso. C'était une parenthèse. Donc, en proclamant la 4ème République, pour que Batuna Batu, tango bako zonga na ba entité na bango ya ba territoire kuna, bakende kozwa bwanya, bakende kozwa consensus. Nous devons nous mettre ensemble et dégager notre raison. Il faut que biso tomiti ensemble ba ide na biso ezawapi. Nous avions dit ceci. Les états des liés devraient gérer en principe ba problème économique, politique et sécuritaire na kati ya territoire en créant des polices de proximité. Ba police de proximité on ande ko banda ko ya ko za l'agence na kati ya mboka mobimba tangu to ko tia ba police de proximité ya nyoso ba 500 ya 145 territoires. Nous pouvons avoir une armée républicaine. Mais maintenant, dès que nous aurons cette histoire-là, il y a un autre qui nous permettait, nous aurons cette opportunité de contrôler l'armée, nous aurons cette opportunité. Il y a déjà une carte d'identité dont les gens vont s'identifier dans les territoires. Pouvoir y a un Il y a état de lieu et qu'on a le pouvoir à Koloba. Non, nous ici, nous allons commencer, nous allons faire comment, nous allons mettre le mécanisme pour identifier les populations sur notre territoire. C'est comme ça, on a ébandeli. Bisous, Tolobaka, que non. Tokobanda Kopé, ça 10 millions à chaque territoire pour que va organiser Bilokoana. C'est par là que nous nous sommes dit, nous allons donner tous aux 145 territoires 10 millions. Quel était l'objectif poursuivi? Que Batouba pèse à biso draft et à constitution. En même temps, première action, état de lié wana, ba forum wana kozala nango, il faut dégager le prochain administrateur na équipe à liboso ya ko identifier ba population na bango na kati ya ba territoire na bango. Et ça, ça devrait être donné comme mission. Gouvernement central, Oya Félix, gouvernement Elingaki Zala considéré comme gouvernement transition. Elingaki Zala Kaka na Nanya Koloba Kaka, ce qui a quelque chose, nous intervenons par là. Jamais vous devez trouver le consensus déjà au niveau des territoires. Ba texte wana, bozui consensus, na katia province. Chaque province, nous avons 26 provinces. Chaque province peut vendre dans le territoire, on a vendu, régulariser, mettre en musique, texte na bango, oyo, bakoya kotinda na assemblée nationale, oyo toko dégager texte moko qui sera le draft de la constitution, qui sera soumis au référendum. Dès que constitution, on a soumis na référendum et l'équipe happy, comme on dit, baza content na eloko ango, to promulgué ango, to bandi siko ba élection. À ce moment-là, les territoires auront déjà, chaque territoire aura déjà une base de données de la population. To kozala siko na ba données réelles à chaque territoire. Na ba problème nini, na directive nini, na ba équipe nini o topona ki na kati ya territoire to lobi, na territoire oyo, ba professeur na biso bango oyo, ba notable na biso bango oyo, to bimisi ba programme na biso, quelles sont nos priorités dans chaque territoire? To yebi économie na biso eza autant, qu'est-ce que nous pouvons commencer à donner au niveau ya province? Parce que Babilo kwa na tokobanda siko ko diskite ango na kati ya constitution wana. Et je crois avec ce chemin là et ko pesa biso sikoyo Babilo kwa na nyonso ya ba influence ya de gouvernement central na batu nyonso. Et c'est par là que nous pourrions dire que non. Pour que tozala na ba parti politique, il faut que parti politique o ko compétir par exemple na banani ba élection présidentielle, ba parti politique wana ezala
Donc, dans tous les 26 provinces, ou bien dans tous les dans plus de 145 territoires. Biso toko yeba ke no courant ni nyango tozo kolekisa. Et ça pourra être toko yko za la naba multitude de ba parti politique boete. Batu o bako sala ba parti politique na bango, il faut ba sangana ba yeba parti politique on eza place ni eza place ni. Et comment ma ba modèle, nous devons mettre les définitions pour que ba influence wana ya batu kozwa kabaninga na bango na kati ya babiloko wana neti baba bazoba ezalate. Voilà un peu ce que nous nous sommes dit que nous pouvons apporter comme solution na kati ya république na biso. Comment est-ce que nous pouvons changer la donne? C'est ça la solution. Le projet de 145 territoires au Biso Tobande Kolobela a un contact pro live. C'était justement pour que tozala na idée ya kozala na idée asika na nani asika. Constitution asika. Et la nouvelle constitution devra être rédigée par le peuple, pas par des simples citoyens au bakubanda kozala. Considérons-nous tozala na confiance one another comme balobaka na anglais. Il faut que les Congolais se réconcilient avec lui-même pour que nous puissions travailler ensemble. Est-ce que vous avez constaté que non? Les Congolais va se mettre ensemble. Tokoyo kanate. Pourquoi? Parce que tozalaka toujours dans l'esprit que non. Ngai soki naza mu gramo pao nde na ko recruter batuna ngai. Non, nous devons laisser cette histoire là. Nous devons avoir une certaine manière de travailler. Batu ba vandi ensemble toyebi que non ah oyo. Idée boende, il faut te faire passer ton à sagré na idée wana. Mais ce qui n'a jamais été fait. Et c'est ça le réel changement que le pays en a besoin. En tout cas, nous allons nous arrêter là aujourd'hui en remerciant beaucoup tout le monde qui est en train de s'abonner. Et nous demandons aussi à ce que si vous êtes là pour la première fois et que au moni que non, na lobby place mon quoi, laissez un commentaire, abonnez-vous. Pourquoi vous abonnez? Parce qu'en vous abonnant, et puis agrandir visibilité, il y a ma vidéo na biso. Et puis, ezakope sa biso moins important. Ce qui surtout botiki ba j'aime wana, tozana moins notoriété moko ke tozo kola. Mais si vous ne vous abonnez pas, toko bandaneti ka tozo loba dans le désert et que personne ne nous écoute. Mais Dieu merci que vous êtes quand même en train de faire ça. Ce qui peut ozana pour la première fois, abonnez-vous s'il vous plaît et laissez un message sur nos numéros, nos emails sont connus. Au revoir, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien.